que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser les cris? Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Il mérite ton acclamation. Il mérite ton adoration. Il mérite ta louange. Il mérite ta désoffrande. Il mérite l'adoration. Les dieux fidèles. Le Dieu puissant, le Dieu redoutable, l'incomparable, le puissant de Jacob. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Dieu. Jésus, laisse-moi t'acclamer. Jésus, laisse-moi t'acclamer. Jésus, laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi t'acclamer ce matin. Laisse-moi t'acclamer. Tu mérites mon acclamation. Tu mérites mon acclamation. Jésus, tu mérites mon acclamation. Jésus, tu mérites mon acclamation. Je n'ai pas quelqu'un d'autre que toi que je peux acclamer. Je n'ai pas quelqu'un d'autre que toi que je peux acclamer. Le monde acclame des rois. Le monde acclame des musiciens. Le monde acclame des stars, mais nous acclamons ce matin le roi des rois. Nous acclamons ce matin le maître de l'univers. Nous acclamons ce matin celui qui est vivant, qui est au siècle des siècles. C'est celui-là que nous acclamons ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le palais de Dieu, tout s'écrit. Non, je n'entends pas bien. Dans le palais de Dieu, tout s'écrie gloire. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce matin pour sa fidélité. Il mérite ton acclamation. Il mérite ton acclamation. Il est Dieu. Il faut qu'il sente qu'il est Dieu dans ta vie. Il faut qu'il le sente. Il sent lui-même que dans cette vie-là, il n'y a que moi. Il faut l'amener à le sentir. Il ne faut pas supposer que Dieu doit sentir qu'il est Dieu dans ta vie. Alors quand tu dois le manifester, manifeste-le bien. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de notre roi. Et dans sa maison, tout s'écrit gloire. La maladie, la sécheresse, la pauvreté, ça n'a pas de place dans la maison de Dieu. Dans sa présence, et nous croyons ce matin qu'il est présent. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pour nous encore une joie ce matin. Nous bénissons notre papa ce matin, Baba Zacharie. Cette marque de confiance encore ce matin. Dieu Allah Matumaini. Amen. Dans notre milieu, on salue le papa, on salue la maman. Amen. Mofazi tunaishi bwana salimia baba na salimia mama. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Na tunambariki Mungu Dieu anema. Merci Alphonse. Asante papa Alphonse. Merci à tous les responsables. Asante kwa wenye madaraka wote. Je ne saurais pas citer tout le monde. Siwezi kuwataja watu wote. Pour ne pas oublier quelqu'un. Je ne suis msabu mtu mmoja. Et dit tu m'as pas cité. Na kusema sikunitaje mimi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa abarikiwe. Que Dieu soit béni. Bwana Mungu abarikiwe. Que Dieu soit béni. Bwana Mungu abarikiwe. C'est une joie de voir tous les responsables présents. Ni fura. Merci les musiciens pour ce temps de louange. Ya kuona wenye madaraka wote hapa. Est-ce que nous pouvons acclamer nos bien-aimés? Juu ya sifa tunaweza kuwashangilia. Amen. Pour le travail qu'ils font, c'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons. Je ne peux pas commencer ce message sans bénir mon pasteur Fofi. Je sais qu'il y a des gens qui décident de te porter. Amen. Que Dieu bénisse ce papa, un homme bien. Amen. Vous savez, nous sommes dans nous évoluons dans un environnement très 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 compliqué. Et trouver des gens qui te portent. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Je ne peux pas pas saluer mes beaux-parents, papa Mba et maman Marie. Je veux dire que ça, ou quoi, salimia, ba, zaziango bako, baba, merci beaucoup les parents. Papa Mba et maman Marie,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Une joie de vous revoir. Et vous avez la salutation de mon épouse. Namoko na salamu ya muke wangu. Amen et mes beaux garçons. Naba toto yangu banaume bazuri. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous parlons ce matin. Tunaongea asubuhi ya leo. La manifestation. Kuonekanika. De la gloire de Dieu dans nos vies. Ya utukufu wa Mungu maisha yetu. La manifestation. Kuonekanika. De la gloire de Dieu. Kwa utukufu ya Mungu. Dans nos vies. Nu maisha yetu. Et je le crois. Na mina mini. Que dès aujourd'hui. Kuanzia ya leo. Et toute cette semaine. Na juma yote mzima. Il manifestera sa gloire. Ataonesha utukufu wake. Dans ta vie. Nu maisha yako. Crois. Amen. Que le Dieu que nous servons ce matin. Ya kwamba Mungu ambaye tunatumikia va siku ya leo. Manifester sa gloire. Ataonesha utukufu yake mu maisha yako. Et quand vous regardez dans Exode chapitre 40, wakati unaangalia mukutoka makumi ine, à partir du verset 34, tokia mustari wa makumi tatu na ine, la nuée enveloppa la terre de la rencontre, wing, la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, c'est quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, c'est la version Semeur, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'élève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit, du feu brûlait dans la nuée. Elle était aussi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. Amen. Nous connaissons ce récit. Tunajua hadithi. Alors que Moïse terminait la construction du temple. Japo Musa alimaliza kujenga hekalu. Et à la fin, il devait prier. Na kumwisho alipashwa kuomba. Dieu devait sceller. Na Mungu alipashwa kutia muhuri. Ce tabernacle. Ile hema. La Bible dit une gloire est descendue. Biblia inasema utukufu moja ikashuka. Elle était visible aux yeux du peuple. Ilikuwa ya kuonekanika kwa macho ya watu. Et pendant le jour, na, mochana, cette gloire de Dieu, il est utukufu wa Mungu, c'était sous forme d'une nuée qui les accompagnait. Ilikuwa kama wingu ilikuwa wasindikiza. Et la nuit, na usiku, c'était une colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo la moto. Mais ces deux représentations, na ile mionyesho viwili, étaient l'image de la gloire de Dieu. Ilikuwa ni mfano ya utukufu ya Mungu. Quelqu'un dit amen. Mtu mmoja anasema amina. Dieu, le Dieu que nous servons. Mungu ambaye tunatumikia. C'est le Dieu de gloire. Ni Mungu wa utukufu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er le verset je crois 17. Biblia inasema mu Efeso sura kwanza 17 nadhani. C'est Paul qui prie. Ni Paulo anaomba. Et j'aime la façon dont il définit, il qualifie Dieu. Napenda namna anafanua na muonesha Mungu. Dieu donne aux Éphésiens un esprit de sagesse. Wakati anaomba Mungu awapatie Efeso. Mais il prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père. Anasema naomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Le Père de gloire. Baba wa utukufu. Il le présente ainsi. Anamuonesha vile. Parce que Dieu, kwa maana Mungu, est un Dieu de gloire. Ni Mungu wa utukufu. Dieu, Mungu, est un Dieu, ni Mungu, de gloire. Wa utukufu. Et quand nous regardons la définition du mot gloire, na wakati tunatazama maana ya hii tamko utukufu, de façon simple, namna ya wepesi, c'est une magnificence, ni kumeremeta, un éclat visible, ni kuangaa kwa kuonekanika, une puissance manifeste, uwezo ya kuonekanika, quelque chose qui sort de l'ordinaire, kitu moja kinatoka mwali ya kinakuwa kia mastajabu, le mot gloire. Il est temps qu'au tukufu. Et quand nous rentrons dans le contexte de la Bible, na wakati tunapotia mwiwazo la Biblia, c'est la présence manifeste de Dieu ni wapo au milieu de son peuple. Konekanika wa Mungu kati ya taifa yake. Pas la présence, hapana wapo, mais manifeste. Lakini ya konekanika. Visible. Ya konekanika. Palpable. Ya kupapasa. Tangible. Ya unaweza kuipapasa. De Dieu. Ya Mungu.
la gloire. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de gloire. Regardez simplement à travers la création. Dieu, tout ce que Dieu a créé, témoigne qui il est. Tout ce que Dieu a créé, témoigne qui il est. Quand vous regardez l'univers, vous comprendrez que nous servons un Dieu grand. Quand vous regardez la nature, vous comprendrez que Dieu est grand. Il est infiniment grand. La Bible dit que sa grandeur est insondable. Sa puissance est incomparable. La Bible dit qu'on ne peut sonder son intelligence. Si nous prenons comment on peut définir Dieu, Dieu signifie quoi? Définissons le mot Dieu. C'est un être qui existe par lui-même. Ni commencement ni fin. Mais en fait, on ne peut pas le définir. Mais on le décrit simplement. Ni commencement ni fin de tout. Il est éternel. Ça signifie quoi? Il est éternel. Il a commencé quand on ne sait pas. Ça a commencé comment? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça a commencé. On ne sait pas. Ça a commencé comment? On ne sait pas. Et si tu décides de t'arrêter, de réfléchir, tu as des maux de tête. On n'a pas ta kicho kuluma. Tu conclus simplement tu es Dieu. On a funga tu nsema uko Mungu. Tu es Dieu. Uko Mungu. Un Dieu de quoi? Mungu wa utukufu. Et quand je regarde la nature, na wakati naangalia umbo, vous savez, il y a des choses que vous regardez. On a kuko vitu naona. Dit ça c'est une intelligence inouïe. Le fonctionnement des choses. Quelle harmonie. Les choses ne se sont jamais trompées. Ça fait des millénaires que la terre existe. Ça fonctionne à la perfection. À la perfection. Jamais il y a eu un. Les choses se sont embrouillées. Le soleil. Non, jamais. Ça, c'est l'intelligence inouïe de Dieu. Inouïe. On ne peut pas le comprendre. Mais imagine, c'est ce Dieu-là que nous servons. Maintenant, décris un peu ton père. Ton père biologique. Décris-le un peu. Il a fait quelle étude? Il travaille où? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser dans la vie? Et s'il meurt aujourd'hui, quel est l'héritage qu'il va te laisser? Maintenant imagine-toi, si toute ta vie dépendait de ton père, quelqu'un comprend? Donc tu ne peux pas comprendre Dieu comme si tu comprendrais ton père. Savile si tu comprenais ton père. Ça on est à kumuelewa baba yako. Non. Il est Dieu. Yeko Mungu. Un Dieu de gloire. Mungu wa utukufu. Un Dieu de magnificence. Mungu wa kumeremeka. On ne peut pas. Maintenant, imaginez-vous Dieu. Fikili kwanza Mungu. Il se présente à Israël. Anajione kanisa kwa Israël. Dans Isaïe chapitre 43. Quand vous regardez à partir du verset 10. Kuanzia sura ya 10. Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Parle de lui. Anasema juu yake Mungu. À Israël. Kwa Israël. Il dit je suis Dieu. Anasema mimi ni Mungu. Or moi, il n'y a point de Dieu. Mungu avant moi, yangu, ce n'est pas un prophète qui prophétise. Aina nabia kuna tabiri. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de Dieu. Aina Mungu, tu kuna sema il Mungu. Prend le soin de se présenter lui-même. Wakati et ya dit, si tu ne le sais pas, asema kama laisse-moi me présenter. Acha mimi dis, je suis Dieu. Sema niko Mungu. Or moi, il n'y a point de Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Mungu après moi, kisha mie, il n'y en aura point. Hata kuyakako, d'éternité en éternité, visazi na visazi, je mimi, suis niko, Dieu Mungu, lui-même. Yeah, yeah. Maintenant, il se compare sasa, wakati analinganishwa, à d'autres kwa wengine,
Dieu. Il dit, eux, wow. Des faux dieux. Ils disent des choses qu'ils ne font pas. Mais moi, Mimi, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je le dis, je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Moi, Mimi, j'agirai. Qui s'y opposera? Et qui parle? Lui-même. Lui-même, il se présente lui-même pour dire à Israël, tu n'as pas besoin de tergiverser, aie confiance à moi. Ces dieux-là, ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais moi, je dis des choses et même j'annonce avant quel risque. Annoncer une chose kutangaza kintu des siècles avant. Vizazi mbele. Quel risque? Ni hatari gani? C'est-à-dire, manake, j'ai le contrôle. Niko naangalishisha maneno yote. J'ai le contrôle. Niko naongozaji. Du monde visible. Ya dunia ya konekanika. Et du monde invisible. Na dunia isionekanika. Quand je t'annonce, wakati na kutangazia, je sais de quoi je parle. Najua ni nini niko nasema. Quand je te parle, wakati na ongea, je sais de quoi je parle. Najua ni nini niko nasema. Imagine toi ton père biologique. Fikiri kwanza baba yako akukusana. Il te fait une promesse. Anakulaka kitu. Tu le connais. Unamjua. Tu connais ton père. Unamjua baba yako. Il a la volonté. Eko na mapenzi mema ya kuifanya. Il n'a pas le contrôle. Lakini yashina na maneno mikononi mwake. Parce que je m'excuse, j'aurais pu, je pensais. Je parle sema uniweza kufanya. Mais Dieu. Lakini Mungu. Il est capable. Yanaweza. De te promettre. Kukulaka. Des siècles avant. Vizazi mbele. Une chose. Kitu. Qui n'est pas encore accompli. Kile akiatimilika. Et même ce qui est grave. Ata ile nakuwa ya hatari. Il accomplit la chose. Anatimiza kitu. Et puis vient te l'annoncer. Kisha nakuwa kukutangazia hicho. Il accomplit la chose. Anatimiza kitu. Maintenant, il vient dans le temps. Sasa narudi muwakati. Maintenant, il t'annonce. Sasa nakutangazia. Kodi, dans 6 ans. Jok sa mumiaka sita. Tu auras un fils. Utapata mwana. Alors que dans les 6 ans là. Japo mwile miaka sita. Tout peut arriver. Dio te bineza kufika. Ça. Ile. Il s'appelle Dieu. Ni Mungu. Et c'est celui-là Nanjo ule, que Paul appelle ule Paulo naita, le Père de gloire. Baba wa utukufu. Non seulement ça. Apa na ile tu. Prenons le deuxièmement le peuple d'Israël. Tuchukwe taifa ya Israeli. Il décide de sauver Israël. Anachukua mpango ya kuokoa Israël. Il va voir Moïse. Anaenda kumuona Musa. J'aime beaucoup le spectacle de la façon dont Dieu a appelé Moïse. Nilipenda namna gani Mungu alimuita Musa. Moïse était chez les Madianites. Musa alikuwa kwa Madiani. Il voit un buisson en feu qui ne se consumait pas. Anaona kijiji kia moto lakini hakianza kulungula. C'est la chose qui a attiré Moïse. Ni kitu kilikokota ange ya Musa. Ça coûtait quoi à Dieu? Basi ilikuwa na bei kani kwa Mungu? Juste parler. Kusema tu. Moïse. Musa. Je suis Dieu. Niko Mungu. Je t'appelle. Nakuita. Va en Israël. Wende Israël. Sauve mon peuple. Okoa taifa yangu. Mais Dieu. Na Mungu. S'est présenté. Ye Mungu alijionekanisha. Dans un spectacle. Mambo moja ya kushangaisha. D'abord, il a impressionné. Moïse était impressionné. Mbele Musa alishangaisha. En d'autres termes. Mukusema kwingine. Il voulait simplement. Alitaka tu. Il sait que tu vois. Anajua si hivi unaona. C'est rien par rapport à ce que je suis capable de faire. Siki tu kulingana na ile mimi naweza kufanya. Moïse avait besoin Musa litajiwa, dans l'humain ndani ya bumuntu, de voir l'impossible kuona yasiyowezekana pour croire dans la mission que Dieu allait lui donner. Juu ya kuamini mukazi ile Mungu alipasha kumupa. Parce que la mission kwa maana kazi, aux yeux de Moïse macho ya Musa, était impossible. Ilikuwa haiwezi kuwezekana. Mais il fallait qu'il voit, ilibidi aone que l'humain mutu, Moïse Musa, voit le divin pour croire dans la mission ya que Dieu allait lui donner. Ya kuaminia kukazi Mungu alipasha kumupa. Israël sort. Israël anaondoka. D'abord dans un spectacle impossible. Bele mkutoka kumoja kwa mastajabu. Les 10 plaies. Vidonda 10. Dieu a épuisé les dieux égyptiens. Mungu alibachokesha ba miungu ya Misri. Il les a épuisés. Alibachokesha alibamaliza. Un à un. Moyo ya kwa moyo. Étape par étape. Atua kisha kwa nini. Dieu n'est jamais pressé. Mungu ikalaki haraka. Un miracle. Muchiza moyo. Il résiste. Anashindana. Un deuxième miracle. Ya pili. Il résiste. Wanashindana. Un troisième. Ya tatu. Il résiste. Wanashindana. Un quatrième, ya ine, il résiste. Wanashindana. Vous savez, Dieu, na ya Mungu,
Fais toutes choses lentement mais sûrement. En afin qu'il a quitté pour le pôle la kini na kika. Lentement, pour le pôle sûrement. La kini na wa kika. Même s'il résiste. Attaque à mon ascendant. C'est une question de temps. Ni wakati tu. Sa puissance. Mambo ya wakati. Sera réduit à l'impuissance. Uwezo yake itakuwa tena itashinda uwezo. Dieu égyptien. Nyungu ya Wamisri. Ne savait pas. Hawakujui. Que Dieu les rendait à l'impuissance. Mungu aliweza kupeleka wakose uwezo. S'il savait. Kama walijua. Dès le premier jour. Kuanzia siku ya kwanza. Ils allaient libérer Israël. Walipaswa kuachilia Israël. Ils arrivent dans le désert. Wanafika katika jangwa. Devant la mer rouge. Mbele ya bahari nyekundu. Quel spectacle. Ni mambo kani ya kushangaisha. Il fend la mer rouge en deux. Anapasula bahari nyekunda muvipande viwili. Nous le lisons. Hein? Tunaisomaka. C'est facile à l'expliquer. Ni kepesi kuifasilia. Tu es devant le fleuve Congo. Uko mbele ya fleuve Congo. Tu ne rêves pas. Aulote. Non. Apana. Tu vois comment le fleuve se fend. Uko nona vile muto Congo iko na funguka. La terre devient sèche. Bulongo bunakauka. Et Dieu te dit passe. Na Mungu anasema pita. Tu ne rêves pas. Aulote apana. Dans la vraie vie. Mu maisha ya kweli. Quel contrôle. Ni kuangalishisha kwa maneno gani. De la nature. Ya umbile. Quelle puissance. Ni uwezo gani. Qui peut dompter la nature. Inaweza kutawala kushinda umbile. Non. Hapana. Dans le désert. Katika jangwa. Ils ont mangé la manne 40 ans. Walikula manna miaka makumi ine. Ils étaient au moins... Des commentaires divers, 2 millions ainsi de suite. Ma facilité na chana, 2 millions. Pendant 40 ans. Kadiri ya miaka makumi tu prends en charge plus de 2 millions de gens. On a chukua katika madaraka yako watu 2000. Quel risque. Ma millioni 2000. 2 millions. Ma millioni ils mangeaient. La manne descendait chaque mois. Walianza kula manne, ilianza kushuka kila siku. Ils murmurent un peu. Dieu wananungunika kiloko wanasema Mungu anatuma mbwa mkwari sorti dans les narines wanaanza kutoka mpua wananungunika sema maji natoka mumwamba pendant 40 ans kadiri ya miaka makumi ine ni wewe les accompagner pendant le jour oui mmoja ilianza kuwasindikiza mchana ils étaient à l'ombre manake walikuwa chini ya kimvuli pendant le jour katikati ya mchana na moto pendant la nuit usiku quel spectacle ni mambo kani ya kuonekanika ya kushangaza qui contrôle ce qu'il fait. Mungu anaangalisha genye kuna fanya. En aucun jour. Hakuna siku hata moja. Il était en panne. Alikwaza. En aucun jour. Hakuna hata siku moja. Il était en carence de miracle. Alikosewa na muujiza. En aucun jour. Hakuna siku hata moja. En aucun jour. Hakuna siku hata moja. La Bible dit les vêtements ne se sont pas usés. Biblia inasema souliers ne se sont pas usés. Mangua aikumbwa ce phénomène. Vous les hommes de science. Vous les intellectuels, vous qui avez étudié, expliquez-moi, les habits ne se sont pas usés pendant des années, miaka na miaka. Ça c'est le doigt de Dieu. Dieu ne fait pas les choses au brio, Dieu ne fait pas les choses au brio, quand il fait, c'est en fonction de qui il est. Ni kwa mbatana na kile eko. Il fait les choses en fonction de qui. Anafanya vitu kuambatana na vile yeko. Il est. Kile yeko. Alors quand Dieu te fait une promesse. Na wakati Mungu anakulaka. Ne prends pas ça à la légère. Hapana kuwa nayo na kasa yao. Père biologique. Ana baba yako. C'est pas ton oncle. Ana muyomba yako. C'est pas ta tante. Ana shangazi yako. C'est Dieu. Ni Mungu. Tu le prends pour qui? Unapaswa kumti. Tu le prends pour qui? Wewe unamwona sana nani? Tu prends Dieu pour qui? Wewe unamwona Mungu sana nani? Ta vie à toi là. Maisha yako wewe. Tu penses que Dieu n'est pas capable? Unadhani sema Mungu hashiwezi? Vraiment? Kweli kweli? Vraiment? Kweli. Dieu n'est pas ta société hein. Mungu ana kampuni yako? Non. Hapana. Dieu est capable de te prendre en charge au-delà de ce que ta société est capable. Mungu anaweza kuchukua katika madaraka zaidi ya bile ukiwa kwa kufanya. Kile nakupatia? C'est une information. Inakuwa ni habari. C'est pas une proposition. Haina mambo niko nakuonesha sasa unaweza kuchukua au unaacha hapana. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Tous ce que tes yeux voient. Bile macho yako yanaona. T'ont tellement convaincu. Bili kuhakikisha zaidi. Même quand tu viens à l'église. Hata wakati unakuwa kwa kanisa. Tu as comme l'impression. Huko sasa unaona sasa. Dieu fonctionne en fonction du pays. Mungu yako anatumika kuambatana na nchi yako vile iko. C'est ça le problème. Jo mambo. Tu es tellement convaincu. Unahakikishwa kwamba. Dieu est congolais. Mungu anakuwa mkongomani. Tu es tellement convaincu que Dieu est congolais. Unakuwa unahakikishwa kwamba Mungu anakuwa mkongomani. Ni ni congolais ni américain ni Dieu. Hawa mkongomani hawa ni mwanamerika iko Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Kuna mtu anaelewa yenye niko nasema. Je parle d'un Dieu de gloire. Niko nasema jo Mungu wa utukufu. Il est Dieu. Eko Mungu. Tout cela
Parce qu'il avait fait une promesse. Je te prends. Nakuchukua. Je t'amène. Nakupeleka. Dans la terre promise. Mo inchi ya malako. Il est capable. Anaweza. Il est Dieu. Eko Mungu. Et la Bible, quand vous regardez dans la définition du mot gloire. Wakati unangalia mufafanuo ile tamko utukufu. C'est le poids. Ni buzito. Hein? Kabod, le poids. Buzito. Quelque chose qui pèse. Kitu moja ki kuna uzito. Quelque chose de lourd. Kitu moja ki kuna uzito. Quelque chose de valeur. Kitu ki abei. Mais écoute-moi ce matin. Sasa unisikia asubuhi ya leo. Dieu a décidé. Mungu alichukua mpango. De manifester sa gloire dans ta vie. Ya kuonesha utukufu wake maisha yako. Dieu a décidé. Mungu alichukua mpango. De manifester. Ya kuonesha sa gloire. Utukufu wake. Le poids. Ile buzito bwake. Vous savez, dans le monde, on dit il a du poids. Mais quand on dit que quelqu'un pèse, quand il pèse, c'est-à-dire sa présence ne passe pas inaperçu. Quand le monsieur là, il pèse, c'est-à-dire quand il est là, il est là. Quel que soit le domaine, ça signifie le poids, quelque chose de lourd, de pèse, de valeur. Et dans une autre définition, c'est la renommée. La gloire, c'est une renommée. Donc, ça, renommée. Ni réputation. Kavumu. Dieu tient. Mungu anapenda. Et ce matin, Asubuyaleo, l'objectif de mon message, Chifukuziwa mesali yangu, Dieu tient à sa réputation dans ta vie. Mungu anapenda kavumu yake yonekanike maisha yako. Il retient ça. Dieu oui, tient kamate, Mungu ya na penda, à sa réputation kavumu yake, dans ta vie. Mumaisha yako. Dieu tient à sa réputation. Mungu anangalishisha ile maneno ya kavumu yake pa maisha yako. À sa renommée. Kavumu yake. À qui il est. Kukile eko. Et quand tu comprends toutes ces définitions, ces concepts de gloire, na wakati unaelewa ufafanuo yote hii matamko ya utukufu, j'aimerais que ce matin, napenda asubuhi ya leo, tu décides, Seigneur, je veux voir ta gloire. Uchukue mpango wa Bwana, napenda kuona utukufu wako. Inua mkono wako sema Bwana, napenda kuona utukufu wako. Dis à Dieu cette semaine, sema Bwana Mungu hii juma, je veux voir ta gloire. Napenda kuona utukufu wako mu maisha yangu, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans mes affaires, dans mes projets. Études, dans ma santé, dans ma vie, je veux voir la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Quel que soit le domaine, cette semaine, la gloire de Dieu doit se manifester. On ne sert pas un Dieu en cachette. On ne sert pas un petit Dieu. On ne sert pas un Dieu grand. Et je le crois. Parce que je porte son nom. Il va donner de la renommée. À son nom. Dans ma vie. Dans ma vie. Afin que l'on sache. J'aime beaucoup la prière d'Élie. Devant les prophètes de Baal. Oh Dieu. Hey, Mungu. Que l'on sache. Que tu es Dieu. Yakwamba uko Mungu. Que tu es. Yakwamba uko. Descends le feu. Pour que l'on sache. Que l'on voit. Que l'on constate. Que tu es Dieu. Yakwamba uko Mungu. Et que moi. Na mimi, dans ma vie. Na maisha yangu. Tu es Dieu. Bien aimé, cette semaine, il faut que l'on sache que dans ta vie, Dieu est Dieu. Il faut que l'on sache. Il faut que l'on sache. Dans ma vie, que tu es Dieu. Tu es Dieu. S'il a fait par la création, s'il a fait par Israël, il va le faire par ma vie. Il va le faire par ma vie. Ataifanya kupitia maisha yangu. Afin que l'on sache. Ivi wajui qui le Dieu. Ya kwamba yeye ni Mungu. Psaume chapitre 115. Zaburi 115. Le premier verset. Mstari wake wa kwanza. Non pas à nous, ô Éternel. Hapana kwetu sisi wa milele. Non pas à nous. Hapana kwetu sisi. Mais à toi seul. Lakini kwako peke yako. La gloire. Utukufu. Pour ton amour. Juu ya mapendo yako. Et pour ta fidélité. Na juu ya uaminifu wako.
non pas à nous, au Éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Lakini kwa jina lako, donne gloire à cause de ta bonté, kwa ajili ya wema wako, à cause de ta fidélité. Kwa ajili ya waminifu wako. Psaume 138, Zaburi 138:8. Je te, le premier verset, je te louerai de tout mon cœur devant les puissants de ce monde. Je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité. Car tu as réalisé tes promesses malako, en surpassant kipimo, ta renommée. Kavumu yako. Dans d'autres versions, Louis II dit que tu as Mouma tafsiri ini, Louis II sema wakati, ulikuwa, tes promesses malako, se sont accomplies. Malako yako l'accomplissement des promesses de Dieu. Timiliko ya malako ya Mungu. À quoi Maunini? La renommée de Dieu. Pourquoi Dieu manifeste sa gloire? Deux choses. Son nom, sa parole. Pourquoi Dieu manifeste sa gloire dans la vie de son peuple? Son nom, sa parole. Son nom et sa parole. Son nom. Et quand nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël, nous avons compris. Vous savez, Dieu tient à son nom. Toute personne qui invoque le nom de l'Éternel dans la voiture, dans la pureté des cœurs, toute personne qui invoque le nom de l'Éternel, Dieu finit par honorer son nom. Mungu anaheshimisha jina lake mwisho yote. Dans la vie de cette personne. Mu maisha huyu mtu. Retiens ceci. Kamata hivi. Parce que tu invoques ce nom. Kwa maana unaita ile jina. Parce que tu crois en ce nom. Kwa maana unaaminia ile jina. Mungu va manifester. Ataonekanisha utukufu wake. Pas à cause de toi. Apana kwa ajili yako. Pas à cause de moi. Apana kwa ajili yangu. Son nom. Lakini jina lake. Son nom. Jina lake. Son nom. Jina lake. Et Dieu, tout ce que Dieu fait, un jour Dieu dit à Moïse. Siku moja Moïse dit à Dieu, Musa si Mungu, tu détruis ce peuple, kama unaribu hii taifa hii, les gens diront bantu batasema, que tu n'étais pas capable au kwena uwezo de prendre ceci ya kuwalea, et de les amener jusque dans la terre promise. Na kuwapeleka mwincha malako. Mais à cause de ton nom. Lakini kwa ajili ya jina lako. Unajua? L'une des caractéristiques de Dieu, mumoja ya matabia ya Mungu, c'est la fidélité. Ni waminifu. La fidélité, waminifu, le définit, inamumaanisha, le caractérise, inamutabisha. C'est un Dieu, ni Mungu, qui est fidèle à lui-même. Anakuwa mwaminifu kwake mwenyewe. Fidèle à sa parole. Mwaminifu kuneno lake. Et dans cette fidélité, na ndani ile waminifu, quand vous regardez, je crois, Psaume chapitre 89. Wakati unatazama Zaburi 5:8-9, parlant de David, mwenye kusemezea juu ya Daudi, j'ai trouvé du milieu du peuple, alijikuta kati ya taifa, un homme, mutu moja, il s'appelle David, jina lake je l'ai loin, nilimupaka mafuta na mafuta mtakatifu, mkono yangu itamshikamisha, mkono yangu itamupa nguvu, l'ennemi ne le surprendra point, hata mushutusha kamwe, ne l'opprimera point, muovu hata mutesa, nguvu lake itainuka kupitia jina langu. Ouvre une parenthèse, Mungu anafungula mkaguo, si le peuple kama taifa arrive à pécher, anafika mkutenda zambi, je le punirai, nitamwapiza, à cause de son péché, kwa ajili ya zambi yake, mais lakini, je ne renierai pas sitakana, ce qui est sorti de ma bouche, kile kilitoka mkinywa yangu, je ne trahirai point na mon alliance, sitakosea agano yangu, mentirai-je à David, nitamudanganya David, le dit, le témoin qui est dans le ciel, Biblia inasema mshuhuda yuko kumbingu, il est fidèle, yuko mwaminifu, même l'infidélité, hata kutokuwa na uaminifu, Israël, ya Israeli, n'a pas changé la fidélité de Dieu, akugeuza uaminifu wa Mungu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Munaelewa nini niko nasema? C'est pourquoi la Bible dit, quand bien même nous pouvons être infidèles, hata kama sisi tunakosa uaminifu, mais lui, yeye, il demeure anabaki fidèle, mwaminifu, et à cause de son nom, na kwa ajili ya jina lake, il se manifeste, anaonekanika, il se manifeste, anajionekanisha, à cause de sa bonté, kwa ajili ya wema wake, à cause de sa fidélité, kwa ajili ya uaminifu wake.
Et vous savez, Namonajua, Dieu Mungu veut anapenda que dans ta vie, mumaisha yako, que le nom de Dieu soit respecté. Jina lake Mungu yeshimiwe. Dieu veut que dans ta vie, Mungu anapenda mumaisha yako, le nom de l'Éternel jina soit la Yahweh respecté. Yeshimiwe. Que le nom de l'Éternel jina soit la Yahweh yeshimishwe dans ta vie, mumaisha yako. Dieu veut Mungu que dans ta vie, à toi, yako, pas dans la vie de l'église, d'abord, dans ta vie, parce que tu invoques ce nom, jour et nuit, parce que tu cries à ce nom, jour et nuit, il glorifie ce nom. Anatukuza ile jina. Et nous aujourd'hui, nasisi leo, vous savez, Dieu, unajua Mungu, dans l'Ancien Testament, mwagano za kale, les gens pouvaient voir la nuit, watu waliweza kuona ndani yake, la gloire, utukufu. Mais Dieu a décidé lakini Mungu alichukua mpango de le manifester ya kuyonesha à travers une personne kupitia mtu mmoja, la personne de Jésus, Yesu Kristo. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, ndio maana Biblia inasema Yohane sura ya kwanza, au commencement était la parole, kumwanzo kulikuwa neno, la parole était avec Dieu, neno ilikuwa pamoja et na la Mungu, parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Et ça nous verrons demain, na ile tutaiona kesho, comment cette parole namna kani ile neno se révèle dans nos vies, inajifunua mu maisha yetu. Mais j'aimerais juste prendre un seul élément, napenda kuchukua tu kitu moja, pour te dire, Dieu akukwambia que dès le moment tangia wakati tu as accepté kule, Jésus comme Seigneur et Sauveur, Yesu kama Bwana na Mwokozi, tu deviens candidat à la gloire de Dieu. Umeitwa kwa utukufu ya Mungu maisha yako. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mtu anaelewa nini ninasema? Tu as accepté Jésus wakati ile ulimkubali Yesu mu maisha yako Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi, tu deviens candidat umeitwa à la gloire de Dieu. Utukufu ya Mungu maisha yako. Et quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de poids, je parle de quelque chose de valeur, je parle de quelque chose de précieux. Et rassure-toi, bien-aimé. Vous savez, il n'est pas nécessairement dit que parce que quelqu'un a des millions, oui, les millions, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Mais rassure-toi, Dieu te prendra en charge au point de ne manquer de rien. Amen. Ce n'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est naturel. C'est normal. Kawaida, dites-moi, vivre heureux, c'est normal. Sema kuishi katika usawa ni ya, c'est pas un luxe. Ya kawaida. Vivre bien, c'est normal. Bei, c'est pas un luxe. Aina mambo ya luxe ya vitu ya bei ya bonne santé, c'est pas un luxe. Kwa katika afya njema, aina vitu ya bei ni ya kawaida. C'est pas un luxe. Aina luxe. C'est pas une faveur. Non, aina c'est fazili. Normal. Amen. Amen. C'est ta part, c'est ton héritage. Yako, et Dieu va manifester sa gloire à cause de son nom. C'est pourquoi il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué kama taifa, mon nom, wale wanaita jina langu. Le problème de Dieu, c'était parce que ce peuple porte mon nom. Mambo ya Mungu ni ju, I taifa wanachukua à jina chaque étape, devant Jericho, devant Haï, devant Gabaon, à cause du nom de l'Éternel, il a combattu ce peuple à cause du nom de l'Éternel. Et quand les gens apprenaient qu'Israël venait, la force d'Israël était le nom de l'Éternel. La force d'Israël était le nom de l'Éternel. Quand il péchait, il devenait peuple. Ils devenaient faibles. Mais quand ils étaient en communion avec Dieu, Dieu était engagé. Dieu était engagé. Et quelle que soit la stratégie de l'ennemi, Dieu les prenait en charge à la manière de qui il est. Dieu le prenait en charge à la manière de qui il est. Mungu alianza kuchukua katika madaraka munamna ya kwa kile yake. Il est Dieu. Eti eko Mungu. Dieu le prenait en charge. Mungu alianza kuchukua katika madaraka. Namna gani sijui. Mais à chaque combat, lakini mumvita yote, il se révélait. Alianza kujifunua de façon inimaginable. Munamna ile hawezi kufikiri. Inimaginable. Munamna ile hawezi kuzania. Devant Jericho. Mbele ya Jericho. Les murs tombent à cause des cris. Ukuta inaanguka kwa ajili ya malalamika.
C'est qu'un phénomène physique. C'est un phénomène physique. Le nom de l'Éternel. Quand Dieu est engagé dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas détruire la vie de cette personne. Tu ne peux pas. C'est impossible. Non, tu ne peux pas. À moins que la personne vive dans le péché. Mais quelqu'un qui craint Dieu, tu ne peux pas détruire sa vie. Sa vie peut être affectée. Il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des soucis. Mais ça ne signifie pas que sa vie est détruite. Parce que Dieu tient à son nom dans la vie de cette personne. À cause du nom de l'Éternel, il combattra pour toi. Et de la manière dont tu ne peux pas imaginer, quel que soit le nombre de sorciers, quel que soit le complot, quelles que soient les stratégies, à cause du nom de l'Éternel que nous invoquons, si nous ferons la guerre, nous vaincrons jamais, jamais. Dieu manifeste sa gloire. Même dans le combat. Dieu manifeste sa gloire. Même dans les situations impossibles. Dieu manifeste sa gloire. Et quand Israël était au bout, malgré les alliances des nations, vous savez, un jour le roi Sankerib, il défie Israël avec arrogance. Quel est ce Dieu-là qui vous délivrera de ma main? Vous savez, la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne faut jamais défier Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, personne n'ose défier Dieu. Tu ne peux pas imaginer combien tu pèses dans la main de Dieu. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire pour préserver son nom dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer. Tu prends les choses à la légère. Tu penses que Dieu, c'est le commun des mortels. Non, tu ne peux pas imaginer. Dieu défend son nom. Mungu anasemea jina lake. Dieu Mungu défend toujours anasemeaka son nom. Jina on ne te trompe pas. Hapana kudanganyika. Dieu défend son nom. Mungu anasemeaka jina lake. Dieu défend son nom. Mungu Dieu ne peut jamais accepter que son nom soit ridiculisé. Mungu hachuwezi kukubali jina lake patizwe aya kamwe. Les gens peuvent penser réussir. Bantu banaweza kusema wanaweza. Bantu banaweza kusema wanatoka mwile Mungu. On a fait, on a essayé. Bantu banaweza kusema tunafanya tunapima Psalm 115. Zaburi 115. Les nations disent où est leur Dieu. Mataifa nasema Mungu wao yuko wapi? Il est au ciel. Assis sur le trône. Oui, kala pa enzi. Vous savez, Dieu, l'ennemi peut penser avoir le contrôle dans ta vie. Atu yanaweza kuona siko naangalishisha maisha yako. Il peut penser avoir le contrôle. Anaweza kuzania siko naangalishisha maisha yako. J'ai aimé beaucoup la réponse de Job. Nilipenda sana jibu ya Yobu. Je sais. Najua. Que mon rédempteur. Mukombozi wangu. Il est vivant. Eko mzima. Je sais. Najua. Je sais mon Dieu. Najua kwamba mkombozi. Dieu que je sais. Najua Mungu niko natumikia. Je connais le Dieu que j'invoque. Najua Mungu ambaye niko naita. Je connais ce Dieu là. Najua ule Mungu. Il se lève toujours. Anasimama katu. Les gens peuvent parler. Watu wanaweza kusema. Mais Dieu n'acceptera pas. Mungu ataichikaka. Que son nom. Jina lake. Soit humilié dans ta vie. Ipatizwe aya mu maisha yako. Alo. Hapana. Peut-être toi oui mais moi non. Sasa zingine wewe ndio mimi hapana. Non. D'ailleurs, les problèmes sont une opportunité pour qu'il se glorifie. D'ailleurs, la stérilité là est une opportunité. Cette maladie est une opportunité. Ce chômage est une opportunité. Ce combat là est une opportunité. Ces défis que tu connais est une opportunité. De toutes les façons. Vous avez la réponse des trois amis de Job, de Daniel. On a eu ma jibu ya wale rafiki yake tatu wa Danieli. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il fait les miracles. Mungu ashina Mungu joko na fanya miujiza. Les miracles ne définissent pas Dieu. Miujiza imumaanishe Mungu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il fait des miracles. Mungu ana Mungu joko na fanya miujiza. Le miracle est un langage. Miujiza ni masemi tu. Il est Dieu. Eko Mungu. Imagine, Dieu, lui, au ciel. Mungu yeko mbingu. Citez-moi quelqu'un, citez-moi une personne, citez-moi quelqu'un qui peut défier Dieu. Unitaye kole mungu tu aneza kupambana, kupingana na Mungu.
Dieu le fait pour toi et moi. Mungu anaifanya juu yako wewe na mimi. C'est pour toi, c'est pour moi. Miujiza ni juu yako wewe na mimi. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Haina juu ya Mungu, ni juu yako wewe na ni juu yangu. C'est pas pour lui. Haina juu yake. Sankerib meki ye c'est Dieu là. Sankerib c'est ni Mungu kaniule. Ça veut Dieu. Na yo Mungu? Ah non, Dieu. Hapana Mungu hein. Dieu peut donner l'impression à l'ennemi qu'il a réussi dans ta vie. Mungu anaweza kuonesha adui sasa anakuweza maisha yako. Dieu peut donner l'impression à l'ennemi. Mungu anaweza kufanya anaonesha adui sasa adui anaweza pa maisha yako. Lakini ujihakikishe. Si tu restes accroché à ce. Kama unabaki mwenye kuambatana na huyu Mungu. Rassure-toi. Ujihakikishe. Hakikisha. Il se manifestera. Ataonekanika. Il se manifestera. Ataonekanika. À cause de son nom. Deuxièmement, à cause de sa parole. La Bible dit car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. L'accomplissement de ses promesses. Le mot réputation, c'est image. L'image. Vous savez, quand vous prenez le téléphone Samsung, c'est une marque. Inakuwa ni mark. C'est une image. Inakuwa ni picha. Tout ce que Samsung fait. Yote le Samsung yako nafanya. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Aina juu yako na mimi. Il tient son image. Anapenda kutengeneza picha yake, kavumu yake. Tout ce qu'il fait là. Yote le kunafanya. La grandeur. Bukubwa. N'est pas liée à toi. Ayambatane na wewe. C'est lié à lui. Bunambatana na mimi. Il tient à sa marque. Anapenda juu ile marque yake. Il tient son image. Anapenda picha yake, kavumu yake. Je pourquoi vous remarquerez que s'il y a un défaut dans le téléphone, dans n'importe quelle marque, une voiture, ils sont prêts à retirer parce que leur image est en jeu. Leur image est en jeu. Quand ils sortent un autre téléphone, c'est en fonction de qui ils sont. À leur image. Tout est fait avec perfection. Yote nafanyika mwali nzuri kabisa. Tout est fait avec beauté. Yote nafanywa na buzuri. Parce qu'ils tiennent à leur image. Juba napenda kuchunga kavumu yao. Ils vont s'assurer. Batahakikishwa. Que le téléphone. Ya kwamba simu. Reflète. Inamaanisha naonesha beko banani. Quelqu'un comprend? Mtu mmoja anielewa. Parce que la réputation. Juu kavumu. De l'entreprise. Ya kampuni. Est en jeu. Inakuwa katika hatari. Il suffit qu'il y ait un défaut. Tafadhali kuweka nkosa kaloko. Ils sont mal à l'aise. Ah, banakuwa mwali mbaya. Ils sont prêts à retirer le téléphone. Banakuwa tayari kutosha masimu yote. Pourquoi? Juu ya nini? Juste l'image. Juu ya kavumu. Parce que l'image. Picha. C'est ça leur force. Njo nguvu yao. C'est ça leur valeur. Njo bei yao. Leur réputation. Njo kavumu yao. Et la Bible dit. Biblia nasema. Dieu. Mungu. Tiens. Anapenda. J'aimerais ce matin napenda une chose dans ta vie à toi mu maisha yako wewe et dans ma vie na mu maisha yangu Dieu tient à son image. Mungu anapenda kuchunga mfano picha yake anapenda kavumu yake chungu. Vous savez la réputation c'est pas il fait des choses anafanya vitu. Il se comporte, anatembea, il agit, anafanya, il parle, anasema, il marche, anatembea. Mais tout cela est lié à son nom. Yote ile nambatana kwa jina jina lake. C'est parce que je tiens, il tient à son nom. Ni juu anakamatia anapendelea jina lake. Toute sa vie, maisha yake yote, est conditionnée par ça. Inakanunisha na ile. Et aujourd'hui, il y a des gens, na leo kuko bantu, à cause de son nom, kwa ajili ya jina lake, son nom, jina lake, vaut. Son nom pèse. Jina lake inakuwa na buzito. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Hawezi kufanya kitu chochote. Il ne peut pas se comporter n'importe comment. Hawezi kutembea munamba yoyote. Parce que son nom. Juu jina lake. Il a déjà devancé. Isha kumutangulia. Amen. Son nom l'a précédé. Jina lake isha kumutangulia. Son nom l'a devancé. Jina lake isha kumutangulia. Et il y a des choses. Kuna vitu. Que les gens vivent. Watu weko naishi. À cause de leur nom. Kwa ajili ya majina lao. À cause de leur nom. Kwa ajili ya majina zao. Mais là, la Bible dit. Sasa Biblia inasema, non pas à nous. Hapana kwetu mais sisi. À ton nom. Lakini kwa jina lako. Et on complète dans Psaume 138. Na banaongeza mzaburi 138. Kwa maana kavumu yako. Sa croix. Inakomea. Parce que tu tiens. Kwa maana. À ta parole. Unapendelea neno lako. Tu tiens. Unapenda. À tes promesses. Unashikamishwa kumalako yako. Unapenda. Tu t'assures. Nikusema unahakikishwa. Ce que tu dis.
va arriver. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu t'assures que toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche vont s'accomplir. Tu t'assures que tout ce que tu dis va arriver parce que tu tiens à ton nom, à ta réputation. Et ce matin, qui invoque le nom de Jésus ce matin? Amen. Je veux que tu crois que toutes les paroles de Dieu qui ont été prononcées sur ta vie, il le fera parce qu'il tient à son nom. Et rassure-toi que l'accomplissement des promesses de Dieu, la réalisation des promesses de Dieu, c'est parce qu'il tient à sa renommée. Il tient à sa réputation. Il tient à ce que son nom ne soit pas humilié. Il tient à ce que son nom ne soit pas bafoué. Il tient à ce que son nom soit respecté. Il tient à ce que son nom soit glorifié. Il tient à ce que l'on sache dans ta vie que toutes les paroles qu'il a dites se sont fidèlement accomplies. Il tient à son image. Il tient. Et dans ta vie, crois que Dieu tient à toi son image. C'est pourquoi quand je marche, je sais que la réputation de Dieu dans ma vie est en jeu. Je réponds, je sais que dans ma vie, la réputation de Dieu est en jeu. La réputation de Dieu dans ma vie est en jeu. On ne voit pas Dieu, c'est moi qu'on voit, c'est quand je cite le nom de Dieu, quand je invoque son nom, quand les voisins m'entendent, quand les collègues du travail m'entendent, quand les amis m'entendent, c'est que ta réputation est en jeu. Quand tu es au marché, quand tu es au marché, quand tu es dans ton kiosque, dans ton alimentation, dis-toi, ici, la réputation de Dieu est en jeu. Dans ma maison, la réputation de Dieu est en jeu. Est en jeu. C'est vrai, il est Dieu. C'est vrai, il est Dieu. C'est vrai, il n'existe pas lui-même. Mais sur la terre, par moi, sa réputation est en jeu. Sa réputation est en jeu. Il faut que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie. Il faut que l'on sache que je sers un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu puissant. Il faut que l'on sache. Écoutez, bien-aimés, il est temps que Dieu se manifeste. Il est temps. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il est temps que Dieu se manifeste parce que sa réputation est en jeu. Sa réputation. Je dis Dieu, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans cette situation, à ton nom, dans la vie de mes enfants, à ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Dans ce temps de la fin, révèle-toi comme un Dieu vivant dans ma vie. Crois-le. Crois-le, mon frère. Quel que soit ton background, quelle que soit ta situation, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta vie, la réputation de Dieu est en jeu. Dieu ne peut pas permettre que son nom, j'ai dit bien son nom, la Bible dit nous avons revêtu Christ. La Bible dit c'est Christ en nous. Christ en moi. Il habite en moi. La Bible dit en lui habite toute la plénitude de la divinité. Mais c'est Dieu là en moi. En moi.
sa réputation est à jeu. Kavumu yake ndio kunaonekana. C'est pas le nom de ma famille. Aina jina ya jamaa yangu. Non, c'est son nom. Lakini ni jina lake. Et je me lève ce matin. Napenda subuhi leo. Dans ces lieux. Kutoka hapa. Dis-toi, dans ma vie, la réputation de Dieu est à jeu. Dans ma maison, la réputation de Dieu. C'est pourquoi Dieu va travailler. Dieu va permettre les temps, les circonstances, les événements, toutes choses vont travailler à ce que son nom soit honoré dans ta vie. Et cette semaine, crois cette semaine, ma soeur, que tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 2, pour terminer. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. La Bible dit c'est le premier miracle de Jésus. Bibi anasema inakuwa ni mujiza ya kwanza ya Yesu. Et pendant ce premier miracle, mwile mujiza ya kwanza, vous connaissez l'histoire. Munajua hadithi. Jésus était invité. Yesu personne ne connaissait Jésus. Hakuna mtu alimjua Yesu. Les gens étaient avec lui. Bantu alikuwa naye. Ils sont invités de mariage. Wanaitwa ku fête ya karamu. Et pendant le déroulement de la fête, na wakati yenye karamu, la Bible dit il n'y a pas eu de vin. Vinyo ilimalizika. Le vin était terminé. Vinyo ilimalizika. Je suis sûr qu'ils sont allés voir Marie. Marie a compris qu'il n'y a pas de vin dans la fête. Maria, les gens ne sont pas allés voir Jésus. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Vous connaissez la réponse de Jésus. Mais au-delà de ça, Jésus dit finalement, allez, prenez, remplissez les vases d'eau. Mwijaze mitungi. Remplissez les vases d'eau. Mwijaze mitungi na maji. Les vases. Walijaza mitungi. Et puis ils donnaient aux gens. Kisha sema wapatie watu. L'eau était changée en vin. Maji libadilika kuwa vinyo. Le responsable de la fête dit, mwenye madaraka, mwenye karamu anasema, ce vin il est bon. Hii mvinyo iko nzuri. Comment vous avez gardé ce bon vin à la fin? Namna kani mlichunga hii mvinyo nzuri kwa mwisho. Alors que les gens sont ivres. Japo watu washa kulevika. Jusque là, les gens ne savaient pas. Watu wabayua kwamba qui avait fait le miracle. Ni nani alifanya muujiza? Les gens ne le savaient pas. Les gens étaient contents. Mais regardez, il y a un verset qui m'a plu. Le verset 11. Cela, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je me suis dit, ces gens, tant qu'il n'avait pas encore vu Jésus dans un aspect de gloire et de puissance, il ne croyait pas, ils étaient avec lui. Ils étaient avec lui. Mais sans croire en lui. Ils étaient là. Mais quand ils ont vu, oh, le but de Dieu, c'était de se révéler. Parce qu'il n'aime pas passer inaperçu. Le confondre, le mélanger. Il aime se mettre en évidence. Il aime qu'on sache qu'il est là. Il aime qu'on voie qu'il est là. C'est Dieu qui aime se faire voir. Il est Dieu. Tu ne peux pas le confondre. Tu ne peux pas le mélanger. Non. J'ai dit à Dieu, tu es. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a certaines choses. Dieu permettra que les gens échouent dans ta vie. Afin que l'on sache qu'il n'y a que lui. Et la Bible dit, il manifesta sa gloire. Crois cette semaine. Amini, il va le faire. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans ton foyer. À cause de son nom. Kwa ajili ya jina lake. À cause de son nom. Kwa ajili ya jina lake. À cause de sa parole. Kwa ajili ya neno lake. Regardez dans Jean chapitre 11. Angalia mu Yohane 11. La résurrection de Lazare. Vous savez quoi, Lazare, unajua? C'est une histoire impossible. Ni mambo moja yasiyowezekana. Jésus attend le quatrième jour. Yesu anaongojea siku ya pili. Il est mort. Ashakufa. Lazare est enterré. Lazare banamushika. Il revient. Vous connaissez l'histoire. Il a dit à Marie, si tu crois, mon adjoua, dit, et tu verras, amini, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu de ce que de quoi je suis capable. Tu n'as encore rien vu. Vous savez, najua, ne crois pas. Ushizania kwamba, ne définis jamais Dieu en fonction Mungu de ton expérience. Kulinganisha na vile unaishi we maneno yako. Ne définis pas Dieu en fonction de ton expérience. Ushimumaanishe Mungu mubintu bila wewe kunaishi. Non. Hapana. Non, apana. Faut pas les définir. Apana kumufafanua vile.
Non. Dieu n'est pas comme tu le penses. Dieu est au-delà. Et Jésus a dit à Marie, tu m'as vu guérir. Mais ce que tu vas voir, c'est puissant, c'est glorieux. Mais regardez, si Jésus avait guéri Lazare, vous savez, il y a eu deuil. Non, Dieu est un stratège. Lazare meurt. Lazare na kufa. Il y a deuil. La Bible dit les gens sont venus de partout. De Jérusalem, de Jérusalem, tous les grands sont venus parce que c'était une famille qui est connue. Si Lazare, Dieu l'avait guéri, les gens n'allaient jamais venir. Jamais. Il fallait qu'il meure et que ces gens-là viennent. Maintenant, il fait le miracle. Et quel était le but de Dieu? La Bible dit, quand vous dites très bien, que c'est ce jour-là qu'ils ont pris la résolution de les tuer. C'est ce jour-là. S'il avait guéri, les choses n'allaient pas se passer ainsi. Mais Dieu avait un but. Regarde-moi bien. C'est bien des choses que Dieu fait. Mais que tu ne le comprends pas. Que tu ne le comprendras jamais. Mais fais-lui confiance. Il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Tiens-toi debout. Il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Dieu sait où il t'amène. Il va manifester sa gloire. Il va manifester sa puissance. Nous allons prier pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta gloire. J'aimerais que nous puissions prier quelques minutes. On ne peut pas terminer sans prier. J'aimerais que tu croies ce matin. Il va manifester sa gloire. Crois ce matin. Seigneur, ta gloire. Je ne sais pas comment tu vas le définir par rapport à ta vie. Si Dieu n'a pas dit que tu dis à Dieu ce matin, à ton nom donne gloire dans ma vie. À ton nom donne gloire dans ma vie. À cause de ta bonté. Élève ta voix et prie ce matin. Élève ta voix et prie.